Très heureuse de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Formation du prochain gouvernement. La première ministre Judith Toudouka poursuit déjà avec ses consultations politiques. Ce lundi, nous allons en savoir plus tout à l'heure à travers les indispensables, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro aux indispensables, mesdames et messieurs. Bien sûr, on parlera toujours de ces consultations de la Première ministre. Comme vous le savez, tous les Congolais attendent impatiemment, voulais-je dire, la sortie de ce nouveau gouvernement. Tout le monde veut savoir qui figurera sur la liste. Est-ce qu'il y aura le renouvellement de la classe politique? Est-ce qu'on doit s'habituer à avoir le même visage, la même façon de travailler, le même déroulement? Comment ça va se passer? En tout cas, on en discute ce soir avec Neville Kabongo à travers les indispensables. Voilà, Neville Kabongo, bonsoir mon frère. Bonsoir Magui. Ça va en forme? En forme toujours. La première dame poursuit déjà avec ses consultations. Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, vous l'avez dit, Magui, ce qu'il faut savoir, c'est que... La première ministre, hein, deux fois je me perds, j'ai parlé de la première dame cette fois-ci, j'ai vu, vous avez fait... Ça commence à bien, comme on dit l'équivalent, donc ça commence à venir... La première ministre, Judith Toudouka. Judith Toudouka, voilà. Donc, cette fois-ci, on s'habitue maintenant à faire ces distinguos-là. Donc, ça. La première ministre, Judith Souminwa Toudouka, a débuté ses consultations depuis le samedi 13 avril. Et ces consultations iront jusqu'au 19 avril. Mm-hmm. Ben, c'est toujours dans cette optique de pouvoir former le prochain gouvernement. D'ailleurs, il a commencé le week-end avec la dynamique agissons et bâtissons du Premier ministre Samalou Kondé. Okay. Et ce lundi, c'était le deuxième jour où il a reçu le regroupement AA-UNC-AVK 2018 conduit par Vital Kamerhe, son autorité morale, voire président. Alors, Vital Kamerhe a essayé d'expliquer au moins aux autres, à la presse, qu'il ne s'agissait pas là du partage des pouvoirs, mais plutôt de partage de responsabilités. Donc, de son tour, hein, elle veut préparer son gouvernement, avoir la taille, comment ça sera, qui devront participer, qui seront d'ailleurs nommés. Bon, elle essaye, c'est elle qui va gouverner ce gouvernement qui arrive. Donc, elle a besoin d'avoir un peu l'œil attentif. Quoique, elle avait déjà commencé ses consultations avec le Présidium. On se rappelle, à l'époque, il avait reçu tout le monde, hein, l'IDPS, l'AFDC, cette fois-ci. Ses consultations, on va voir, si vous nous permettez, Magui, le calendrier. Bon, on ne va pas un peu le lire dans son ensemble, mais elle prévoit de rencontrer... Toutes. Avant d'en arriver, Neville Kabongo, pourquoi seulement jusqu'au 19 avril? Ça, c'est pas beaucoup de jours? Bon, elle pense que ça sera mieux pour elle parce que vous le voyez, le calendrier l'indique. Donc, c'est bien répertorié. Et le temps pour elle de recevoir chaque regroupement de la majorité, puisqu'elle est en train de consulter la majorité. Rappelez-vous, lorsqu'on parlait du rôle de l'informateur et formateur, certains avaient fait allusion qu'Augustin Kabouy a été le formateur. Tout à fait. Et aussi, aujourd'hui, certains se demandent réellement, est-ce que Augustin était le formateur ou simplement il jouait le rôle de l'informateur? Car c'est maintenant Judith Toudouka qui fait ce rôle de formateur, parce qu'elle est censée former le gouvernement, le prochain gouvernement. C'est pourquoi on sent ces consultations. Tout à fait, si on peut découvrir les calendriers. Donc, vous le voyez, le calendrier est un peu vaste, on ne saura pas donner correctement, mais simplement, ce qu'on sait qu'aujourd'hui, vous le voyez, ces calendriers prévoient de recevoir toutes les forces politiques de la majorité qui a été dégagée par le secrétaire. Donc, du coup, il y a des dates. Il y a des dates qui sont répertoriées. Même pour le regroupement, le nombre de personnes. Justement, comme aujourd'hui, c'était prévu l'UNC allié et AVK 2018. Vous le voyez, il y a aussi l'AFDC et ses alliés. Donc, c'était prévu aujourd'hui. C'est comme ça que Madame la Première ministre les a reçus. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'était aussi le tour du regroupement de Modeste Bahati Lukwebu, donc l'AFDCA.
Et justement, ils ont échangé avec la première ministre Judith Toulouka sur la mouture, cette mouture du gouvernement. Combien des personnes seront ministrables et combien chaque regroupement devra envoyer en termes de quotas. Donc c'est comme ça que, si vous nous permettez, Magui, on va suivre Modeste Bahati Lukwebo au sortir de son audience avec Madame la Première ministre Judith Soumila Toulouka. Merci bien, Neville Kabongo. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à suivre Modeste Bahati Lukwebo juste au sortir de son audience avec la Première ministre de la RDC. Ma AFDC alliée, dans le cadre de la composition du nouveau gouvernement, ce n'est donc pas un secret, nous avons parlé des critères pour faire partie du gouvernement. Et les critères sont notamment le poids politique, la géopolitique, le genre, la compétence. Les autres critères sont additionnels, mais essentiellement les quatre là. Et donc nous avons pris bonne note que nous allons faire des suggestions en termes de postes ministériels, mais également des profils qui répondent à nos exigences, disons à nos ambitions. Ainsi donc, nous pensons que dans les meilleurs délais, le gouvernement pourra être constitué. Et la Première ministre a insisté sur le fait qu'on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite. Et elle a beaucoup insisté sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement, pour que nous puissions espérer une croissance économique. Voilà, c'était autour de ces questions-là que nous nous sommes rencontrés, la délégation qui m'accompagne et moi-même, avec Son Excellence Madame la Première ministre. Je suis conscient qu'il faut qu'on aille vite, mais nous, au niveau de l'AFDC, nous sommes bien organisés. Même si aujourd'hui, on nous demandait de déposer nos dossiers, nous allons le faire. En tout cas, nous serons parmi les premiers à déposer nos dossiers. Vous pouvez être sûr. Toya Kilelo, Kokutanana, Excellence Judith Soumila Toulouka, Oyomokunzi. Neville Kabongo, à en croire les propos de Modeste Bahati Lukwebo, trois choses m'ont retenu. En premier lieu, diminution de, du nombre. La taille du gouvernement. La taille du gouvernement doit être diminuée parmi les critères. Les critères de Judith Toulouka, là où elle épingle là-dessus. Deuxièmement, train de vie des institutions. Ça, c'est très important parce que plus d'un Congolais aussi ont plaidé pour ça. Et puis, on sait que je sache et ce que j'ai compris par rapport au propos de Modeste Bahati Lukwebo, là, il ne s'agit juste que des consultations. Il ne s'agit pas de déposer des listes ou quoi que ce soit. Non, mais ces consultations vont permettre à chaque délégué, d'abord à chaque regroupement, de comprendre la vision de la première ministre. Vous avez vu qu'elles ont échangé avec Bahati Lukwebo. Elle a échangé avec Bahati Lukwebo sur ces questions-là. La taille du gouvernement, voire les budgets d'investissement. Elle en a d'ailleurs abordé. Ça prouve à suffisance qu'elle essaye vraiment d'orienter chaque... En premier lieu, on capte déjà l'essentiel. Voilà, donc elle essaye d'ailleurs de donner les directives pour son prochain gouvernement. Voilà, sur ça, on va établir. Et d'emblée, c'est pour cela qu'elle discute déjà en amont avec les représentants de chaque groupement pour leur dire, attention... Il ne faut pas penser qu'on va vous donner 10 postes. Attention, il n'y aura pas des 10 postes pour chaque regroupement. Voilà, on va réduire la taille du gouvernement. Et le fait de réduire la taille du gouvernement, peut-être que chaque regroupement aura 2 postes seulement ou 3 postes. Donc, c'est un peu ça. Elle essaie déjà de donner une orientation globale de son action, de ce qu'elle fera aussi une fois élue. Mais vous l'avez dit. Rappelez-vous d'ailleurs, à ce qui concerne les trains de vie des institutions, beaucoup se demandaient combien, par exemple, quel est le revenu d'un député, par exemple. D'un député, cette année, on a parlé de... Il y en a qui parlaient de 20 000, il y en a qui parlaient de 30 000 dollars. Tout ça. Alors, ce sont des questions qu'on s'est posées. Un ministre touche combien? Donc, on sent que cette question revient de temps en temps et que peut-être le gouvernement ailleurs n'a pas su régler. Mais elle est déterminée parce qu'on l'a dit, elle est technocrate,
elle sait comment gérer les choses. Et je pense que si elle va dans cette allure, ça pourra peut-être donner l'espoir à la population congolaise qui n'attend que ça. Donc, réduire le train de vie des institutions qui coûte énormément. Tout à fait. Prendre les moyens alloués à ces institutions et les mettre à l'investissement pour pouvoir piloter le projet et permettre à la population justement de pouvoir mieux vivre. Surtout socialement. Justement. Un gouvernement en tout cas qui jusque-là reste parmi l'espoir, hein, entre autres parmi l'espoir du peuple congolais. Justement. En tout cas, les peuples congolais attend impatiemment la sortie de ce gouvernement pour savoir comment se positionner, surtout socialement. Vous voulez dire quelque chose? Oui, ajouter quelque chose par rapport à ce gouvernement dont vous dites l'espoir de la population. Mais on n'aimerait pas quand même qu'on voie les mêmes images, les mêmes personnes qui reviennent à tout moment. Ça ne dépend pas de vous et moi, Neville Cabon. Non, non, surtout ceux qui sont, par exemple, cités dans des malversations. Vous l'avez d'ailleurs entendu, des dénonciations, des part et d'autre, à ce qui concerne par exemple certains projets où on sent qu'il y a eu surfacturation par exemple. Donc on n'aimerait pas que ces personnes qui sont citées dans des malversations ou dans des commissions, rétro-commissions et ainsi de suite, rétro-commissions reviennent encore, Maggie. Donc on a besoin des personnes, or l'espoir, il faut aussi l'incarner. Donc on a besoin des personnes qui vont venir demain, qui vont gouverner avec cet esprit de pouvoir aider la population et non des personnes qui viennent là pour... C'est remplir les poches, être riche au détriment de la population. Là aussi, c'est un critère très important pour lequel la première ministre Judith Toulouka est en train de marteler. Tout à fait, Neville Kabongo. Donc, du coup, on retient qu'après les 19, ça sera la fin des consultations de la première ministre. Alors, du coup, après ce 19, on peut espérer avant la fin de ce mois voir la sortie du prochain gouvernement. On peut l'espérer dans ce sens-là, Maggie, mais elle doit d'abord terminer son travail. Elle va terminer le 19, c'est ça. Et oui, mais la prochaine étape, il y aura plus ou moins une semaine. Ben oui, la prochaine étape, c'est le président de la République qui doit procéder maintenant à la signature de ce gouvernement. Elle doit faire son travail, terminer et présenter au chef de l'État un travail bien garni, bien fourni. Et ça demandera maintenant à la discrétion du chef de l'État, ce pouvoir discrétionnaire dont on parle, à lui de désigner les personnes qui prendront part à ce prochain gouvernement. Merci beaucoup, Neville Kabongo, pour toutes ces précisions. En tout cas, je vous libère. Merci beaucoup, Maggie. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, après la nomination de la première ministre, les Congolais attendent impatiemment la sortie de l'équipe gouvernementale et les anciens noms et le vieux nez pourront-ils pas laisser la place à la jeunesse? Freddy Bopoupa, secrétaire national en charge de la jeunesse du parti politique Alliance des démocrates chrétiens du Congo, pense qu'il est temps de rajeunir la classe politique congolaise. Il est au micro de GFT Nimanimi. En ce qui concerne les rajeunissements de la classe politique congolaise, cela nécessite à ce qu'il y ait de nouvelles figures, comme vous les connaissez maintenant. Nous attendons de nouveaux Freddy Bopoupa sur la scène politique nationale de notre pays. Mais ces nouvelles figures nécessitent à ce qu'il y ait également un changement dans la gestion de la chose publique. Ce n'est pas que vous mettiez des nouvelles figures tout simplement, mais qui vont agir dans le système archaïque que nous avions tous déploré. Donc, c'est ici l'occasion pour interpeller les autorités d'apprendre à faire confiance à la jeunesse, de ne plus demander jeune l'expérience de 5 ans pour être nommé ministre. Où est-ce qu'un jeune de 30 ans va avoir l'expérience de 5 ans pour être nommé ministre? Et sous les bons offices du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, l'Union Sacrée a présenté le week-end dernier son ticket pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Regardez. Daniel Bumba, Eddy Yeli d'une part, Lévi Mbuta, Germaine Tinyama Zolantima, Kongolo Kongolo André, Samba Clovis et Socrates Mubengai d'autre part. Le kit est complet pour l'Union sacrée de la nation
qui ambitionne de contrôler l'hôtel de ville et l'organe délibérant de Kinshasa durant ce deuxième quinquennat du président Félix Tshisekedi. Tout ceci grâce au conseil sage d'un seul. Avec Augustin Kabouya, plus question de vivre la débâcle qu'il y a eu lors des sénatoriales de 2019. Avec plus de 10 députés, l'UDPS n'avait pas su faire élire ses sénateurs à cause des arrangements qui ont été compromettants au regard des objectifs du parti de Félix Tshisekedi. Le chef de l'État n'a jamais géré ça. D'où cet appel de Moana Bouté à la prise de conscience. Les gens viendront vers lui. Il y a certains qui sont déjà en pourparlers, qu'on donne de l'argent, qu'on propose de l'argent. Ne vendez pas votre dignité à cause de l'argent. Des sages conseils très écoutés, au point de désactiver plusieurs candidatures de certains élus n'ayant pas fait objet de débat au sein de l'Union sacrée. Nous sommes venus écouter le secrétaire général, il nous a prodigué des conseils, surtout beaucoup plus pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale qui aura lieu le jeudi prochain. Il nous a donné des conseils et il a aussi présenté les tickets gagnants de l'Union sacrée, comme vous le constatez. C'était vraiment très important pour nous que cela se fasse pour éviter des zones d'ombre. Vous avez vu que nos collègues qui avaient postulé aussi comme indépendants, ils ont été très humbles, ils vont retirer leur candidature et nous restons avec un seul ticket gagnant. Là, nous sommes totalement rassurés que l'Union sacrée est soudée, l'Union sacrée est unie, nous partons ensemble pour vaincre. Très optimiste dans cette démarche, l'unique candidat président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'Union sacrée de la nation, le député Lévi Mbouta, affirme que les mesures sont prises pour que les erreurs du passé soient évitées. Merci. Je crois que nous avons déjà identifié tout le problème de l'ancienne législature, qui était premièrement le conflit entre l'organe délibérant ainsi que l'exécutif. Je crois que cette législature, nous allons très bien travailler. Nous allons travailler en harmonie pour qu'il y ait une stabilité totale au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et aussi, ces bureaux, ça forme déjà une famille. Nous allons vraiment travailler ensemble. Nous croyons fermement qu'il n'y aura pas de problème. S'il y a des problèmes, nous allons nous référer à l'autorité de référence pour pouvoir trouver des solutions à tous les problèmes qui pourront arriver. Parce que dans une famille, les problèmes ne manquent jamais. Mais s'il y a un problème, on trouve toujours des solutions. Commencé vers 22h, c'est aux environs de minuit que cette rencontre d'Augustin Kabouya en sa qualité de membre du Présidium et les députés provinciaux de l'Union sacrée de la nation à Kinshasa a pris fin sur une note très positive. Mesdames et messieurs, la population des Béni, appelée à coopérer avec les forces de l'ordre, les FRDC, demande à cette population de bien orienter les alertes afin de dissuader les attaques ADEF à l'ouest de la ville de Béni, au nord Kivu. C'est le porte-parole des opérations Sokola 1, Grand Nord Kivu, qui lance cet appel à l'issue d'une patrouille de l'armée loyaliste dans les zones récemment secouées par les attaques terroriste. Je vous propose de suivre en effet le capitaine Anthony Mwalouchaï. Il est au micro de notre correspondant sur place. Ici, nous sommes sur place à Toda. Après avoir fait Sayo, ici nous sommes à Toda et nous avons été à Mapemba et Buruchu. Tout ça, c'est pour rassurer à notre population que nous sommes partout et que nous sommes déterminés à leur donner la sécurité. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Nous appelons des compatriotes qui orientent mal les alertes de les faire à travers les services de défense et de sécurité pour répondre aux menaces qui nous entourent. Nous sommes ici, comme vous le voyez, à Toda. C'est une cellule de la commune de Moulekera. Moulekera, c'est parmi les 4 communes de la ville de Béni. L'ennemi profite de la forêt qui nous entoure et pour s'attaquer à la population civile. Ce sont des civils rencontrés au cours de la route en provenance du champ. Ça nous fait du mal parce que nous sommes là pour protéger cette population. C'est pourquoi l'air n'est plus à la division, l'air est à l'unité. Nous demandons à tout le monde, chacun, à ce qui le concerne, de jouer un rôle pour les retours de la paix. Ce n'est pas l'air de pointer les doigts
à tel individu ou l'autre, mais seulement nous appelons tout le monde au bon sens à faire l'essentiel pour que la population, notre population qui nous fait confiance en tant qu'un service de sécurité, notre population qui nous a élus, notre population qui a fait à ce que vous soyez là où vous êtes, vivre vraiment en paix. C'est pourquoi nous sommes là pour rassurer à notre population que nous ne sommes pas en train de croiser les bras, nous travaillons et nous demandons le secours de la population en général avec les informations, avec les alertes bien orientées et pas une communication qui avertit d'abord l'ennemi sur ce que nous sommes en train de faire. Voilà, ensemble nous serons forts et que les actions des terroristes MTM, USCAP ne nous découragent pas à faire mieux, à continuer à lutter pour le retour de la paix. On va terminer avec la page internationale, mesdames et messieurs, la menace iranienne d'une attaque directe contre Israël, évoquée depuis plusieurs jours par les États-Unis, a été mise en exécution. Plus de 300 drones et missiles ont été tirés le week-end dernier par l'Iran dans ce qui constitue une escalade sans précédent. Regardez. 1h du matin, heure de Paris. Des sirènes retentissent dans plusieurs villes d'Israël, comme à Jérusalem, au-dessus de l'esplanade du Rocher. Une attaque inédite de drones et de missiles en provenance d'Iran déchire le ciel. Plus de 300 appareils, la plupart seront interceptés par le dôme de fer, le système de défense aérienne. On compte un blessé et peu de dégâts. La menace iranienne se heurtait à la supériorité aérienne et technologique de l'armée israélienne, combinée à une forte coalition de combat. Nous avons intercepté 99% des menaces lancées sur Israël. Pour la première fois, l'Iran a donc tiré depuis son territoire, situé à quelques 1500 km de l'État hébreu. Une opération suivie toute la nuit par l'État-major israélien depuis le centre de commandement. Cette nuit, Joe Biden a réuni son équipe de sécurité nationale. Washington réitère son soutien inébranlable à Israël. Benjamin Netanyahou et le président américain se sont parlé au téléphone. Pour Téhéran, l'opération est couronnée de succès. Scène de liesse dans les rues de la capitale. Aujourd'hui, c'est le jour de la revanche pour le Hezbollah et pour tous les musulmans. Mort à Israël! Mort à Israël! À l'Assemblée, les parlementaires iraniens, poing levé, remercient les gardiens de la révolution. L'Iran menace Israël en cas de riposte. Pour nous, l'opération est terminée. Mais si les sionistes ont l'intention de s'en prendre à notre République islamique, alors notre réaction sera plus forte encore. Cette nuit, de nombreux drones et missiles iraniens ont été interceptés en Syrie, en Jordanie et en Irak. La France, présente dans cette zone, a participé à l'opération. Joe Biden réunit aujourd'hui les dirigeants du G7 pour discuter de la crise en Israël. Voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres. Formation du prochain gouvernement, la première ministre Judith Toulouka poursuit ses consultations politiques ce lundi. Ainsi prend fin cette édition de votre magazine. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur Communication Plus.